Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne parle pas de mode ni de filet. On va parler de cuisine. Je vous parle d'une recette qui me sauve dans toutes les occasions. Son petit effet. C'est facile à faire que vous savez cuisiner, surtout pour ceux qui ne savent pas cuisiner. Vous n'avez pas d'excuses, c'est très facile à faire. Il arrive parfois que j'oublie que j'invite les gens. Je suis très tête en l'air. C'est la petite recette qui sauve dans toutes les occasions. N'hésitez pas à le remplacer par des escalopes de poulet ou un mélange de poisson avec coquille Saint-Jacques. Mais aujourd'hui, ma version, c'est tout simplement du saumon à la crème. C'est facile, mais sincèrement, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut évidemment du saumon. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai au préalable enlevé la peau, évidemment. Il vous faut du Maggi. On le trouve dans le rayon assaisonnement ou des produits exotiques. Il y a le petit format, hein, mais comme mes enfants et moi, on adore ça en attendant le finir. Ça ressemble à ça. Ça s'appelle de la romagie. Franchement, ça c'est génial. Il vous faut du fumet de poisson. Vous voyez? Rayon assaisonnement aussi, où il y a des cubes magie. Vous voyez, c'est facile à trouver. Il vous faut ceci. Et enfin, il vous faut du jus d'orange. Non, jus d'orange, excusez-moi. Du jus de pomme. Voilà. On a combien d'éléments? On a 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas bien compliqué. C'est très facile à faire. Pour terminer, n'oubliez pas, vous pouvez l'accompagner avec des pommes de terre à la vapeur. Vous pouvez l'accompagner avec des bananes plantains, du riz, des légumes, ce que vous voulez. C'est un plat qui se mange facilement et très facile à faire. Donc, c'est parti. Voilà, dans un premier temps, j'allume mon feu, évidemment, il faut allumer son feu, on n'a pas d'autre choix. Je le mets au maxi hein, pour l'instant. Je vais rajouter au pif, mais pour vous, si vous ne savez pas faire, 20 cl de jus de pomme. Quelle bêtise, je vous ai dit, hein, je suis maladroite, il était en l'air. On va rajouter, parce que c'est une cuillère à café par 10 cl, donc on va rajouter 2 cuillères à café de fumée de poisson. 2 cuillerées de fumée de poisson. Comme ceci. Et nous allons mélanger tout ceci. On mélange. Et j'attends une petite minute, le temps que ça boue. C'est parti, chrono. Une fois que ça boue comme ceci, je rajoute mon poisson. Comme ceci. Très facile. On rajoute. Jusque-là, c'est facile, hein? C'est pas bien compliqué. Donc, à feu moyen. Et je mets à peu près 5 minutes de cuisson. Donc, on ne touche pas au poisson, on laisse en tant que tel. Une fois les 5 minutes passées, je vais retourner délicatement mon poisson. Oh, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Allez, c'est pour vous montrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter à peu près, on va dire, 20 cl à 10 cl de crème fraîche. Comme ceci. Et quelques gouttes d'aromagie. Voilà. Et après, on mélange délicatement. Comme ceci. Là, c'est dommage si j'ai mis un peu trop de jus de pomme, mais ça fait rien. Là, c'est très très bonne. Et c'est parti, je laisse de nouveau 5 minutes cuire sans couvrir. Et voilà, et on laisse en tant que tel. Donc voilà, mon saumon est prêt. Entre-temps, j'ai fait mon riz au micro-ondes. Et je vais prendre mon porte-pièce. C'est parti pour un dressage. Moi, j'ai fait du riz semi-complet. Voilà pourquoi ce riz a un aspect un peu bizarre. Voilà. Je fais ceci. C'est pas merveilleux. Il est juste parfait. Je prends... On va aller tout doucement parce que imaginez que vous recevez des invités. Ce sera dommage d'avoir un plat mal présenté. On
fait ceci et on rajoute de la sauce. Et en guise de décoration, petite feuille de basilic, une petite touche de couleur. Elle n'est pas belle la vie. Il est juste magnifique mon plat. Il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Franchement, si vos invités n'aiment pas, alors là, je ne sais plus quoi faire. Voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié. Pas que les filles, hein, et les gars aussi. Franchement, si vous voulez faire plaisir à votre petite chérie ou votre chérie, c'est le plat très facile à faire. Il est juste bon. Moi, quand je le mange, je rajoute un petit peu de piment à l'africaine. Et franchement, c'est un délice. Mais au début de la vidéo, vous pouvez le remplacer soit par les escalopes de poulet. Moi, j'ai parfois l'avantage de le faire un peu plus façon, un peu plus fin. Je le fais avec des cookies de Saint-Jacques, c'est aussi une réussite. Mais attention, il faut bien maîtriser la cuisson des cookies Saint-Jacques. Trop cuit, c'est plastique. Donc, je vous embrasse très fort. Dites-moi, avez-vous apprécié ma cuisine facile pour les nuls? Moi, je vous dis bon appétit, je veux savourer mon plat. Mouah.